Hello, hello. Alors ce matin, nous sommes partis très tôt de Paris, de la place Vendôme, pour un petit peu suivre ce fameux rallye Bugatti Grand Tour édition 2019. Alors au début, tout se passait très... Ça arrive ? Mine de rien, voir débouler une vingtaine de Bugatti Veyron et Chiron à Paris, en plein place Vendôme, c'est quand même inhabituel, hein. T'as un côté irréel, envoûtant presque. Mais ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est qu'au Ritz, où il logeait, t'avais un gars qui ne faisait pas partie du rallye Bugatti, mais qui était là avec sa Bugatti Chiron depuis quelques jours déjà. Et il a sorti ce soir-là, en mode rien à battre. J'ai trouvé la situation cocasse.
suite du périple de ce Bugatti Grand Tour de version 2019. Nous sommes en train de prendre la direction de Strasbourg. Vu qu'on a perdu pas mal de temps, on peut pas aller se positionner où on voulait. Et du coup, je suis sur ce rond-point en Lorraine, comme vous pouvez voir. Et c'est pas super, mais bon, on va essayer d'en faire quelque chose, quoi. Voilà. Approchons petit à petit de Molsheim, mais avant tout on les attrape par la route. Je ne sais pas trop où on est, mais en tout cas c'est magnifique, faut l'avouer, c'est vraiment très très beau. Je sais pas si vous pouvez voir derrière moi, t'as une sorte de vallée, je sais pas, enfin des bois, des forêts partout, c'est très très beau. La première Chiron est déjà passée, bien évidemment je l'ai loupé, j'étais en train de me soulager dans les bois et là, mais ça va pas tarder. Donc il y a une petite épingle assez sympa, on va essayer de vous montrer tout ça. Tout juste d'arriver à Molsheim, fief de Bugatti. Première fois pour moi que je viens ici. Franchement, ça fait quelque chose, a fortiori pendant les 110 ans de Bugatti. Alors je sais pas trop encore à quoi ressemblera le programme à partir de maintenant. En revanche, si j'ai bien compris, il suffit de se placer pas loin du château pour voir arriver en fait tous les participants et tous ceux qui prennent part aux festivités. Nous longeons actuellement donc la nouvelle usine de Bugatti et nous allons vers le château Saint-Jean, qui vous devez connaître, c'est l'endroit en fait où sont prises une grande partie des photos officielles de Bugatti. Je vais pas vous cacher que j'ai un petit peu d'émotion à découvrir tout ça, je pense que ça va être sympa. Bon, du coup quand même, hein, comme vous pouvez voir, je vous montre le fameux château Saint-Jean. Mais ils ont mis tout un tas de barnums et de voitures exposées devant, du coup on peut pas vraiment voir, malheureusement.
Voilà, c'est fini pour la vidéo du rallye Bugatti. Alors vous l'aurez remarqué, hein, c'était surtout axé voiture et prise de vue. Je me demande même combien de gens verront jusqu'à la fin. Bah tiens, si vous êtes encore là, commentez. J'adore la mer argentée puissance 20. La mer argentée, vous savez, c'est la Chiron chrome là, avec la calandre spécifique. Comme ça, on verra les vrais de vrais de vrais dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos récentes sur Bugatti, comme la visite de l'usine, ou encore découvrir la Chiron Supersport 300+, de plus près. Allez, surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Ciao, ciao.